Fanatique, amis, compatriotes, tanti la Kayo, encore une fois, nous comptons avec vous. Et pour nous porter troisième vidéo, nous, pour aujourd'hui, donc, nous sommes contents. Et oui, merci ou même qui abonnez avec le canal là, si là, ou qui file vent tout, nous vous merci parce que vous êtes là. Et ou même tout qui fait venir, nous surtout bienvenue déjà. Donc, c'est avec même plaisir pour nous continuer porter information qui a dominé pays d'Haïti, information qui a dominé monde là, dossier assassinat président de la République là, et bien, ou t'as dit c'est un zo poisson journée jodi à la qui collait dans gagan PM Ariel Henry et bien international la fouet pied toute longueur en dans dossier ça et même yon chaîne télévision française et bien a demandé pour qui ça FBI poko maré Ariel Henry toujours pour qui ça Ariel Henry dans tête pays d'Haïti toujours pour qui ça Ariel Henry poko a répondre question la justice parce que non cité dans assassinat président République là. Gen Wani Timothée qui lui-même tout c'est quoi pays avec gros sorti ça monsieur ça a fait surtout sous insécurité dans le pays d'Haïti à clavichère et passer par là dans le pays tout le monde qui a fait dégager ou bandi fait ou pas qu'à circuler bandi fait ou pas qu'à move bandi fait ou pas qu'à vendre bandi fait ou pas qu'à vivre et bien Wani Timothée frappe très fort là nous va inviter au temps des interventions ça yo rester connecté dans tout de temps en temps que nous tendez l'autre réseau YouTube et médias internationaux. Par exemple, moi je suis France 24. Comme si les journalistes tellement comme si saisi les qui entendaient que Ariel Henry, les que CNN fait telle déclaration ça, à regarder Ariel Henry, il y a une question que les journalistes ont posée comme étranger. Il dit, mais mes amis, comment fait Ariel Henry rester dans tête pays toujours? Comment Ariel Henry toujours supposément a dirigé pays là encore? Pas qu'il y ait monde qui est capable de comprendre ça. Quelle explication nous gagnons, mesdames, messieurs, pour que je dis là, pour que c'est Ariel Henry qui l'a toujours. Et sachant très bien comment international a fonctionné, à la minute qu'on a un minimum de substance, ok, on doit retirer le corps. Comment faire après de telles déclarations aussi graves, aussi importantes? Pour que Ariel Henry toujours là. Eh bien, question en réponse est quand même assez simple. Parce que l'on regarde entourage Ariel Henry, son équipe et monde qui corrompu. L'on regarde monde qui a présenté à Montana, son équipe monde qui est droit dans toutes sortes de bagailles. L'on regarde accord Penn, ça c'est même bagaille là encore. Et l'on regarde ça qui a passé Matissan avec question de sécurité, c'est même bagaille. Et l'on regarde l'amour président Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, moun sa qui finance l'amour, c'est même bagaille là. Ça veut dire que, waouh, nous, nos sociétés, ça va plus que mal. Société est tellement corrompue. Bagaille tellement corrompu, mesdames, messieurs, faut nous vraiment lever camper et graine. La grande chance que nous gagnons, mesdames, messieurs, c'est nous-mêmes qui dans la diaspora, les gens qui partent dans la politique, les gens qui, soi-disant, comme si ils partent dans rien drôle, qui pour faire un changement. Et c'est pour ça qu'on a relancé l'appel, ça, frère. Nous connaissons une équipe candidat à la présidence, une équipe qui est capable de faire un bagage, mais qui ne peut pas les mettre meilleur. Monsieur, si nous ne pas mettre meilleur dans ça, moi, là, parce que pas de monde dans le pays, ça, surtout dans la politique, dans la classe politique, là, qui est propre. Et faut nous sauver l'honneur du pays. Oui, Anderson, on a avancé. On a avancé avec information. Yo, pendant NAP, toujours, était dans le dossier assassinat et président et Jovenel Moïse et Premier ministre. De facto, et une autre fois encore, nous et qui pas suspendre et frapper dans et cause et cela. Et d'après, et tout, dernier détail, et nous avons gagné, tout ça, Ariel Henry Abdio, et ce sont des informations et qui faussent côté nous. Ariel Henry a révélé que Joseph Félix Badio c'était responsable et renseignement, ministère et justice et sécurité publique et le mouvement Wok et Félix Vincent, ministre et justice et encore nous et premier ministre a précisé que Félix et Badio c'était un fonctionnaire et l'État et c'est-à-dire Ariel Henry, même Jean Ampilneg ak femme à travers l'opinion et publique, par exemple, suspend accusé Wok et fait lever sans pas. J'aime suspend accusé et Bedford et Claude, et bien, et jour là, Ariel Henry et faut qu'on ait que et Joseph Félix et Badjo, c'était responsable renseignement et d'un ministère et de la justice, à moment, Wok et fait lever santé, ministre et justice, et doué, et l'autre bon ancien et ministre de la justice à sécurité publique, là, Wok et Filaire, Vincent et côté, l'y fait qu'on ait, et pendant, ou affirmer que les fugitifs et Badjo et le moment moins dans tête et primature là et excuse-moi dans tête ministère et de la justice l'État travaille comme responsable et renseignement dans MJ SP qui c'est ministère et justice et sécurité publique et bien Ariel Henry et à partir de informations ça ou t'as partagé ou prouver tout est bon vrai ou confirmer que ou c'est un menteur et pathologique ou c'est un manipulateur de bas et étages et côté ou montrer encore que mission et première ou c'est ébaillement si pour capable bouiller piste et qui gagne pour avec enquête sous assassinat et président Jovenel Moïse et bien et ça que et nous capable et dans dossier ça et malgré Ariel lui-même a fait plusieurs sorties aujourd'hui là à travers médias mais Ariel Henry est sorti la fait et c'est une série et sorti crabe et d'après ancien ministre de justice et sécurité et publique là le Ariel Henry fait connaître que Joseph et Félix Badjo c'était responsable renseignement et d'un ministère et de la justice et aujourd'hui là nous et Wok et Félix Vincent comme étant ancien ministre de justice ça a démenti information ça et puis il faut qu'on ait tout que Ariel Henry prouver et son menteur est pathologique Ariel Henry c'est un menteur et dans bas étage là et tout ça Ariel Henry a fait et jodi c'est une façon pour capable ébrouiller et piste et qui est pour avec enquête sous assassinat président et Jovenel Moïse. Oui, nous tendez mesdames messieurs, ça veut dire que tout le monde a traité Ariel Henry de menteur mes amis et faut nous pas ouais Ariel Henry, faut nous ouais à peuple haïtien. Faut que nous ayons des gens qui sont dans tête pays qui dit que les représentent nous-mêmes haïtiens. Et je dis là, gens qui ont traité Ariel Henry menteur, eh bien c'est comme si c'est moi qui ai traité menteur. C'est vous-même qui ai traité menteur. C'est nous-mêmes haïtiens qui ai traité menteur. Et je connais grand pile monde qui captant de nous là, grand pile monde qui en Haïti captant de nous là. Monsieur, nous pas qu'à vivre simplement pour manger, nous pas qu'à simplement vivre pour éclairer, nous pas qu'à simplement vivre pour plaisir. Les a traité ton premier ministre et dans niveau ça, de menteur. Espalier, écrit télévisé, et médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique Vive Haïti a fait une conférence de presse amateur pour nous rappeler à peuple haïtien. Jeudi, c'est 14 février, un jour qui symbolise l'amour, tendresse, affection et pourquoi pas appréciation. Dans l'occasion, jour ça, Vive Haïti profiter espace ça pour demander avec tout le monde qui a simé la troublée dans le pays. Tout kidnappeur, tout bandit, eh bien, nous demandons l'occasion de jouer l'amour pour libérer tout le monde qui n'en met et ceci sans l'argent. Spécialement Pasteur Loucharimi. Nous pouvons même nous-mêmes deviner si monde jusqu'à ce que nous ayons des âmes. Nous sommes contents des musiques évangéliques Pasteur Loucharimi. Et deuxièmement, nous demandons tout. Libération au monde pour Karel Jean-Baptiste qui compte faire émission dans Radio Caraïbe. Et Karel là encore paraît plus grave. Ça fait deuxième fois qu'il kidnappé. On monde qui kidnappé une première fois. Ça veut dire son monde qui finit décapitalisé. Ou kidnappé une deuxième fois. Et tant que son monde vient la guerre sans ressources. Jodi a phénomène d'insécurité a. Il vient la cause en pile jeune d'une grand monde. Il vient cheveux blanches dans la tête. En pile petit monde a marché dans la ria avec Pérez. En pile parents qui sont créatifs et même la Pérez pour mener petit à l'école. Alors que la police, là, il a supposé là pour protéger et servir tout le monde. Mais malheureusement, la police ne peut jamais stopper le cas de kidnapping. La police ne peut jamais libérer aucun otage, malgré tout effort nous est élevé à faire dans cette institution. Je dis à nous demander bandits. Nous ne venons pas demander libérer parce que nous n'avons pas force légale pour mettre les gens dans la prison. Nous vous demandons de permettre les gens de rentrer la caillou pour rejoindre madame, le mari, le petit. Permettre les gens de rejoindre la famille parce que Haïti n'est pas capable encore. Dans le cas où nous arrivons là, nous venons plus mal que Syrie, que Libye, que Iran, que Irak et même Afghanistan. Je dis à côté pays à trouver là. Tout le monde peut sortir dans la rue, le peuple n'a pas qu'à vaquer à l'occupation et les bandits sont à l'aise, pas qu'il n'y a aucun monde capable de faire peur. Je dis à nous venons demander libération. tout le monde, tout otage qui est bandit, qui est permettre un bon monde de décapitaliser le pays à nos situations difficiles. En même temps, tout, il va y avoir une conférence de presse ce matin sous question assassinat ancien président Jovenel Moïse. Que Viva Haïti profiter de l'espace pour nous dire, nous ne prenons pas plaisir dans l'assassinat Jovenel, même l'un d'en face. Nous ne sommes pas contents de la façon dont il a assassiné. Nous devons plutôt, nous devons répondre à la question de la justice. Mais cependant, c'est comme quoi que ces derniers temps, nous c'est comme si l'insécurité, c'est Jovenel seulement le poté aller. Alors que si nous avons calculé l'insécurité très bien, nous avons venir sous trois angles. Numéro 1, gagner insécurité kidnapping. Numéro 2, gagner insécurité assassinat. Numéro 3, gagner massacre qui fait en dedans quartier populaire. Donc sous base ça, nous c'est comme quoi que parmi tout crime qui fait c'est seulement crime Jovenel là nous tendons. Nous tendons que le média international, que le média local a parlé de lui. Alors que bon crime qui fait dans le pays là, comme si comme quoi que nous pas tendons parler de lui. Pour capable prendre exemple, il y a un monde tant que Vladimir Leganier, tant que Grégory Saint-Hilaire, tant que Jean Dadi Dival, tant que Diego Charles, tant que Tiblan Tatou, et tant que Maître Dorval. C'est comme quoi que moun sa yo, yo pas utile pays, yo Jovenel seulement qui est utile pays. Alors ce qu'on a rappelé, tout massacre qui fait yo, yo te tout Jovenel là-dedans yo. Moun sa yo comme quoi que yo pas mérité justice. Yo pas mérité parler de yo. Yo pas mérité pour la justice pencher sous ça. Nous même nous pour Jovenel joindre justice. Là c'est une raison qu'il faut ouais, je vais dire c'est une première entité politique qui t'a déposé plainte dans le paquet de Port-au-Prince. Nous pour Jovenel joindre justice. Mais pendant pour Jovenel joindre justice, les titres clairs, Blanc Tatou, Vladimir Leganier, côté Mounsaoui, Diego Charles, côté où il n'y a pas de justice, Maître Dorval, il n'y a pas de justice, Tibadjo et Latrier. Donc je dis, c'est dans le contexte ça, Vive Haïti, vin pas une conférence de presse. En même temps, tout, nous avons 5 questions pour nous poser. Première question, est-ce que seulement Jovenel qui était mort, mort balle? Est-ce que Jovenel seulement phénomène assassinat ou bien insécurité à bouteillage? Deuxièmement, moun nan quartier populaire qui subit massacre, que le moun la Kaye Rebelle, la Saline, Riel de Saline, Kafou Payan, yo assassiné, alors que dans série massacre ça yo, tout moun sa yo te gen mandat d'amener des membres la police n'a juste arrêté personne dans moun sa yo. Y a flané libre au contraire yo à l'aise, y a bay conférence de presse, yo tout côté, yo gen machine officielle en bas derrière yo, yo pa pè personne moun, y a flané tout côté. Et moun sa yo, et là derrière tout moun connaît. Yo moun tan kou Fenel Boncheri, yo moun tan kou Pierre Richard Dublan. Comme quoi que moun sa yo libre et libéré y a fonctionné, mais malheureusement ni la police ni la justice pas inquiété moun sa yo. Troisième bagaille qui est important dans le dossier ça, si n'a parlé des journaux, il va y remarquer tout juge yo remettre dossier là mon journal là moi tout a couru. Moi tout moun a pété couru depuis ces juges yo bail dossier là mon journal là tout a pété couru. Faut juge ça ouvre une bail pour qui raison qui fait péter courir pour qui ça il a pété courir donc nous ne pas comprendre bagaille ça donc dans bon logique Vive Haïti vient demander juge ça nous ouais gain nous cité dans prend comme dans même nous cité dans dossier c'est ça il dit gagner tout voix sur a circuler sur toutes médias internationaux gain tout gain attaque qui fait sur yo dans la rue nous vient demander pour qui raison mais comme ça tout il y a des juges nous connaissent si vous avez mené enquête dans la bonne direction, vous êtes capable de mener. Et il y a des juges tout, si c'était yo qui t'a mené enquête, ça me garantit, il y a des gens qui t'a mérité code. Donc, quatrième bagaille, cinquième question nous t'a posée. Pour qui ça, journalistes locaux, médias locaux, nous connaissons, il y a pile de journalistes qui spécialisés dans mener enquête. Qui compte faire bon enquête et qui a bon résultat depuis à mener enquête. Peut-être que ça me parle média local ça yo, à journaliste local ça yo, à mener enquête par yo. Pour bail rapport par yo alors que tout le monde connaît, il va être coué dans production locale. Il va être coué dans bagaille en dedans la caille nous. Nous chercher bon ressources dans question presse en Haïti. Je dis à nous t'aimer média, nous va passer au l'autre non. Nous juste t'aimer ouais ça. Parce que nous t'aimer tendez voice cap circuler yo. C'est sous médias locaux nous t'a remis premier temps nous t'a remis pour nous t'a premier temps mais malheureusement c'est pas ça nous jouons. Je dis à nous venir ici eh bien, nous pour Jovenel jouer justice. Mais il faut que nous Jovenel assassiner jouer justice. Nous pour lumière faite dans l'assassinat Jovenel là. Mais tout le monde qui est impliqué dans le massacre dans le quartier populaire, il faut jouer justice. Je dis à tout le monde d'accord, pour une question de parrain fiel. Il va être bien aimé qu'on ait degré implication parrain ça. Qui est-ce qui parrain ça? Dans l'amour fiel. Parce que Viva Haïti n'est pas responsabilité déjà. Nous avons déposé plainte pour lumière est faite. Et nous avons besoin de lumière. Je dis à nous une situation qui est extrêmement difficile. Le peuple qui est dans le grand goût, qui est dans le chômage, qui est dans la richesse, qui est dans l'insécurité, n'est pas victime de bagaille ça. Donc je dis, par rapport à ça qui a passé là, nous venons demander côté l'État pays. Même si tout le monde connaît position Viva Haïti déjà prend contre Ariel. Mais ça ne suffit pas. Pour ne pas dire, quel que soit le monde qui est impliqué dans le bagage, il faut bien lumière qui fait. Quel que soit le monde, nous cité dans le bagage, il faut lumière faite sous lui. Et quel que soit le monde, tout, eh bien, cap serré complice dans le bagage, il faut lumière faite là-dedans. Je vais finir pour nous dire avec accord. Bon ensemble de partis politiques, nous sommes capables de dire par rapport à la situation pays, est-ce que nous ne sommes pas supposés battre l'estomac pour nous dire nous responsables? Un petit accord à gauche, petit accord à droite, petit accord sous côté, petit accord dans le mi-temps, et puis nous venons nous compte, nous laguer le peuple pour contenir, à débattre dans le phénomène d'insécurité. Je dis, est-ce que par un moment probable, pour tout le monde qui a un accord, vienne déposer sous table là, pour nous faire un accord global, pour nous faire un seul accord, pour nous retirer Haïti côté lié, je dis, parce que les touristes ne peuvent pas rentrer, les gens peuvent prendre l'arrière, tout business a fermé pour tout, les gens qui ont des moyens pour vivre en République dominicaine. Le peuple a vivre avec la Pérez. Nous avons la police. Nous avons toute qualité unité. Et Paul l'a dit. Si la police prend responsabilité, il y a un pile de monde qui a pris. Mais est-ce que pas grand pile de monde tout qui peut souhaiter la police là prendre responsabilité par rapport à ça qui a passé là? Ma fini net pour me dire, nous connaissons comme une qui soutient dans le quartier populaire, plus précisément dans Bel Air. Donc, dans la bonne logique, vous avez deux voies pour faire des résultats. Même si la position Vive Haïti contre Ariel, mais si vous êtes dans le pouvoir, vous prenez responsabilité pour faire le pays à la sécurité, pour faire le peuple à la sécurité, c'est pour faire. Parce que dans le cas où nous sommes là, nous ne pouvons pas descendre plus bas, parce que nous venons plus mal que Syrie, que Libye, que Iran, que Irak, que même Afghanistan, Haïti, pas qu'à descendre plus bas. À bon entendre ça.